Je tiens à saluer tout le monde. Je tiens à saluer tout le monde. Et j'espère que vous allez super bien. Alors, ce qui va se passer ce soir là, Sérignali, GFPI, ce qui va se passer ce soir, il va falloir que les gens retiennent quelque chose. Il va falloir que les gens sachent très bien que ceux aujourd'hui qui veulent mettre en mal le combat de la Côte d'Ivoire, qui veulent mettre en mal la vision, il va falloir que ces personnes-là fassent de tous leurs efforts pour détruire l'instrument du combat qui est le FPI. Ça, il va falloir que les gens mettent ça dans leur tête. Ceux qui veulent détruire le combat, je le dis et je le répète et je pèse mes mots. Ceux qui veulent détruire le combat, ils feront tout ce qui est à leur pouvoir pour détruire le FPI. Le FPI qui est l'instrument du combat. Je vais ici vous montrer deux petites vidéos. Ah, les amis, je vais ici vous montrer deux petites vidéos. Et puis vous et moi là, nous allons causer. Voilà, j'ai montré deux petites vidéos et ces deux petites vidéos là, ça a fait réfléchir beaucoup de personnes. Ce dans quoi nous sommes, vous le savez, moi Balouna Balou, je le sais. Ce dans quoi nous sommes là, ce n'est pas une histoire de Balouna Balou, ce n'est pas une histoire de Jacques, ce n'est pas une histoire de Patricia, ce n'est pas une histoire d'Oni, ce n'est pas une histoire même du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas une histoire de Simone Eve Gbagbo, ce n'est même pas une histoire de Ouattara, ce n'est pas une histoire d'Henri Konan-Bédié, c'est une histoire de toute la Côte d'Ivoire. Et ceux qui veulent avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire, vous les connaissez. Vous les connaissez. Donc si ces personnes peuvent user de leur poids pour mettre en mal l'instrument du combat, ils feront tout ce qu'il faut. Donc, c'est à vous, Ivoiriens. C'est à vous, Côte d'Ivoire. C'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. Parce que parmi nous, là, il y a des cupides. Parmi nous, il y a des gens qui pensent qu'à leur ventre, ils n'ont rien à cirer de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien à cirer de ce peuple ivoire, ils n'ont rien à cirer de ces personnes-là. Il y a des gens qui seront délivrés. Il y a des gens qui seront délivrés. Laissez-moi le temps de partager cette vidéo. Voilà, laissez-moi le temps de partager cette vidéo. Et je ne sais pas si je vais y arriver parce que non seulement j'ai été restreint, non seulement je ne peux plus partager assez. Donc si vous, de votre côté, vous pouvez partager cette vidéo seulement là, je me mets en genoux, partagez ça. Oh, je me mets vraiment en genoux. Les amis, je me mets en genoux, partagez cette vidéo-là. Je me mets vraiment en genoux. Cette vidéo-là, il faut partager ça. Pour que ça rentre dans le youkouli, dans le youkouli, dans les oreilles, dans le kunglo des gens. Ça doit rentrer dans leurs oreilles. Parce que quand nous parlons, Maxime, mon frère, Badobré, Koudou, Ayokaoudi, voilà. Est-ce que vous comprenez? Il va falloir que ça rentre dans les oreilles de tous les Ivoiriens. Parce que quand nous parlons, quand moi, Balouna Balou, je m'exprime, les gens pensent que je parle que essentiellement d'une personne, d'une entité. Mais moi, j'ai dépassé l'histoire d'entité, l'histoire de personne. Moi, j'ai le regard fixé sur la Côte d'Ivoire de demain. Ah oui, la Côte d'Ivoire de demain. Donc, tous les Ivoiriens devaient avoir le regard fixé sur la Côte d'Ivoire de demain. Il dit, je vais mettre deux vidéos, deux petites vidéos, et puis ça va délivrer beaucoup de personnes. Toi qui es caché, toi qui es tapis dans l'ombre, toi qui ne peux même pas t'exprimer, frère, sœur, il va falloir sortir. Il va falloir sortir de l'ombre pour que tu puisses t'affirmer. Parce que ce qui se passe là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens parlent des flambées des prix. Les gens parlent des flambées des prix. Ce n'est pas de ça que je viens parler. Les amis, ce n'est pas de ça. Mais ça là, je ris.
Je ris, ça. Je ris. Ça me fait sourire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que ceux qui doivent faire ce travail-là, c'est à eux de faire aujourd'hui ce travail-là. C'est pourquoi ils ont taclé, comment ça s'appelle, le CNT pour courir comme des petits caniches pour aller aux élections législatives. C'est à eux de faire ce travail-là. C'est eux, normalement, qui devaient avoir le regard fixé sur ce gouvernement-là. Mais comme des gens sont cupides, ils n'ont rien à cirer du peuple, les amis. Ça, là, on parlera de ça après. Voilà, histoire des prix qui sont en train de flamber, toutes ces choses-là. Maxime, mon frère, sois salué. Roger, Bosson, sois salué. J'ai vu aussi mon padré, mon grand-do, Auré Ziza. En tout cas, vieux père, respect à toi. Voilà, respect à toi. Ça, c'est des hommes dignes. C'est des gens capables. C'est des gens-là qu'on doit fréquenter. C'est des gens qui donnent des vrais conseils, des bons conseils. Des gens de personnes là, ils sont rares. En tout cas, moi, j'ai de la chance d'avoir ce monsieur-là dans moi, ma vie. Voilà. Donc, on est ensemble, les amis. Alors, je vais prendre le soin de partager ce direct. Voilà, je vais prendre le soin de partager et puis on va commencer. On va commencer. Je dis, les gens seront délivrés. Ce n'est plus une histoire de personnes, c'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Je le dis et je répète. Ceux qui veulent détruire le combat, ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire, ils vont tout faire. Ils vont user de leur poids pour détruire l'instrument qui a été choisi par les ancêtres pour mener ce combat-là. C'est le FPI. Donc, il va falloir détruire le FPI. Je vais mettre deux vidéos seulement. Et là, deux vidéos. Je vais partager. Je vais partager le direct. Je vous demande vraiment de partager ce direct-là. Je vous demande vraiment de partager ce direct-là. Ce n'est plus une histoire de personnes. Nous devons quitter dans les histoires de personnes parce que c'est les histoires de personnes qui nous perdent. C'est les histoires de personnes-là qui freinent beaucoup de choses. Les amis, il y a beaucoup de choses que la nouvelle génération doit régler. Il y a beaucoup de choses. Nous devons vraiment, réellement, radicalement faire une rupture avec beaucoup de choses. Beaucoup, énormément de choses. Donc, il va falloir des jeunes capables, des jeunes dignes, des jeunes qui ne sont pas cupides. Il va falloir des jeunes qui sont des vrais patriotes. C'est de ça la Côte d'Ivoire a besoin. Et je sais, toi, jeune, qui va écouter cette vidéo, toi, jeune, qui est en train d'écouter cette vidéo, tu es dans ce cas-là. Tu es dans le cas des jeunes qui sont des jeunes dignes, qui sont des jeunes debout, qui sont des jeunes capables, qui sont des jeunes que la Côte d'Ivoire attend pour rehausser l'image de cette Côte d'Ivoire là. Hey, les amis. Tout va se savoir. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit deux petites vidéos. Je n'ai pas dit trois. Je n'ai pas dit quatre. Mais deux petites vidéos. Partagez ce direct là. Il faut partager. Les amis, ne soyez pas avares dans les partages. J'ai dit partagez ce vidéo. Invitez. Invitez tous ceux qui se disent des génies de la politique ivoirienne. Mais moi, Balouna, je ne suis pas un génie de la politique ivoirienne. Je suis un jeune ivoirien qui se démerde ici à Paris, qui fait tout ce qu'il faut pour nourrir sa famille. C'est ce que je suis. Je ne suis rien d'autre. Voilà, je ne suis rien d'autre. Mais arrivé à un moment donné là, toi jeune là, tu dois prendre position pour la Côte d'Ivoire. J'ai fait des postes et j'ai dit ici, dans un de mes postes, qu'il va falloir, arriver à un moment donné, chacun va prendre son couloir. Frère, il va falloir savoir quel est le couloir que tu vas prendre. Est-ce que tu vas prendre le couloir d'un être humain ou tu vas prendre le couloir de la Côte d'Ivoire? En tout cas, moi, Balouna Balou, c'est le couloir de la Côte d'Ivoire que je prends. Tous ceux qui prendront le couloir de la Côte d'Ivoire de demain, c'est ces personnes-là que moi, Balouna Balou, je vais suivre. Et c'est ces personnes-là qui seront pour moi une référence. Voilà. Donc, je vous demande de partager ce direct-là. Aïe, 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 partagez ça, niaoua. Partagez. Excusez-moi, mais je tiens vraiment à saluer tout le monde. Je tiens, si je ne dis pas le nom, mais je tiens vraiment à vous saluer. Voilà. Là où nous sommes arrivés, on ne doit plus jouer. On ne doit plus rigoler. Parce que il s'agit de la vie d'une nation. Tout ce qui est en train de se passer là, tout ce qui est en train de se passer doit nous faire peur. Doit nous faire peur, mais en même temps que ça nous fait peur là, nous devons prendre des vraies décisions et des bonnes décisions.
des vraies décisions et des bonnes décisions pour la Côte d'Ivoire de demain. Ayez toujours le regard fixé sur la Côte d'Ivoire de demain et non pas sur les histoires de personnes. Mais là aussi où il y a l'injustice, toi qui combats l'injustice, tu dois crier haut et fort. Ça là, c'est de l'injustice. Donc moi, Balouna Balou, ou moi, Marie-Thérèse, ou moi, Lazare, Yoropa, je dis non et non et non à, et non à tout ce qui est forme d'injustice. C'est de ça qu'il s'agit. Je partage, je continue de partager. Les amis, faites comme moi. De grâce, faites comme moi. Partagez ça. Partagez ça pour que cette vidéo-là soit entendue et vue par beaucoup de personnes. Voilà, parce que beaucoup de personnes seront délivrées. Beaucoup de personnes seront délivrées. Alors, la première vidéo que je vais mettre, ça va se vidéodiser. La première vidéo, écoutez ça. C'est de l'anglais que les gens parlent. Hein. C'est de l'anglais que les gens parlent. Mais, dans mes dires, là, dans mes propos, je vais essayer de traduire ce qu'ils disent. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Pour ceux qui comprennent l'anglais, tant mieux pour eux. Voilà. Pour ceux qui comprennent l'anglais, tant mieux pour eux. Alors, à nous aller. La première vidéo, après la deuxième vidéo. Ok, c'est parti. Alors, c'est un jeune. Je vois déjà la, le visage de ce jeune. C'est un jeune. Vous le connaissez, ce jeune-là. Vous le connaissez, ce jeune. Quand je parle de jeune, moi-même, j'ai la chair de poule. Ce jeune-là, il va s'exprimer. Ce jeune-là, il va parler. Et il va parler fort. Très, très fort. Et la Côte d'Ivoire a besoin des jeunes qui parleront fort et très, très fort. Et non pas des jeunes qui, eux, là, ils sont en dessous de la table. Ils ouvrent leur bouche. Ils attendent, ils espèrent que les miettes tombent de la table pour que, eux, là, ils aient de quoi à manger. Moi, Balouna Balou, je ne suis pas de ces jeunes. Je ne serai pas, je ne serai jamais de ce jeu. Et je dis à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, toi qui es dans ce cas, toi qui fais de la même chose, il faut te défaire. Il faut te séparer de manière radicale de cette mauvaise manière de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Ce jeune-là, il va mettre les gens au pas. Parce que dans la vie, il faut arrêter d'être hypocrite. Dans la vie, il faut arrêter de vouloir caresser les gens dans le sens du poil. Ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer là, il s'agit de la vie de toute une génération. Il s'agit de la vie, de l'avenir de tout un peuple. Donc toi frère, soeur, toi qui veux rigoler, toi qui veux jouer avec ceux qui veulent jouer avec ton avenir, avec ceux qui veulent jouer avec l'avenir de tes enfants, il faut leur dire, leur regarder dans les yeux et leur dire, frère, là où nous sommes arrivés là, chacun doit prendre son chemin. Moi, le chemin que j'ai choisi, c'est le chemin pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Quel que soit le combat que tu as mené, je respecte ton combat. Quel que soit ce que tu as eu à faire, je respecte ce que tu as eu à faire. Mais là, là, on va où? Nous allons où? Où tu nous amènes? C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'ai l'oreille tendue. J'ai le regard fixe. J'ai le regard fixe sur la vision. Sur ce que les gens nous ont toujours dit, sur ce que les gens, ce qui a poussé les gens à suivre le FPI. Il dit bien qui est l'instrument. L'instrument est contesté. L'instrument à détruire. C'est de ça qu'il s'agit. J'aime bien cette vidéo. Oh, pourquoi même je parle beaucoup même? Attends. Maman, soldat de régime hier. And what is funny, maman? Is that they are crying the loudest, more than all of us who cared for you. Mama, the UDF cabal is here. The cabal that rejected. Au fait, c'est Malema, c'est un jeune. C'est un jeune, en tout cas, c'était un jeune activiste. Malema, c'est un jeune politique sud-africain. Et Malema, oh, il s'adresse à un certain nombre de personnes.
Ici, là, il parle de Winnie Mandela. Comment Winnie Mandela a été traité par une cabale appelée UDF. Les amis, il s'adresse à ces personnes-là. Il ne va pas de main morte. Il dit, maman, il s'adresse à Winnie Mandela. Maman, les gens-là qui sont associés, des gens qui sont associés pour te tuer, pour te faire du mal, là. Ces personnes-là, ils sont rassemblés ici. Maman, ils sont ici. Ceux-là qui ont créé des réseaux, une cabale pour te dénigrer, une cabale pour te diaboliser. Maman, ces personnes-là, ils sont là. Voici eux qui ont organisé, ils avaient organisé une conférence. Écoutez ça. On va aller. And disowned you and send you to the brutal apartheid regime is here. When they called the press conference during the dark days of apartheid, when they called the press conference, when the regime was prepared to kill and said in that press conference, you are not part of them. They are here today. Mama, why did the UDF call a press conference to disassociate themselves from you? Because you were never a member of UDF. You were a member of the ANC. You were the only one who was pronouncing ANC in the 80s. Why did the UDF see the need to disassociate themselves with a person who was not their member? Mama, you never told me how we must treat them when they come here. I'm waiting for a signal, man. Ok, les amis, je vais mettre la deuxième vidéo et puis on va commencer à se parler. Je vais mettre la deuxième vidéo et nous allons commencer à nous parler. Je mets la deuxième vidéo. Les gens n'ont encore rien compris et n'ont rien vu. Je mets la deuxième vidéo et puis on va se parler. Ils l'ont nommé dans un collège très particulier qu'on appelle le Collège de France, qui est, si vous voulez, qui réunit les professeurs, qui nous donne des cours à des professeurs, docteurs d'État, professeurs. Nous-mêmes, nous ne bénéficions pas des cours de ces professeurs. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit que le professeur me mène dans une conférence quelque part, quand je peux, je me dépêche de venir parce que je sais que là où il donne le cours, quand je ne vais pas arriver là-bas. Ici, en bas, là, je viens profiter aussi. Mais le professeur me mène. C'est un savant, c'est vrai. Il faut que nous en soyons fiers. Mais c'est surtout pour nous la garantie dans notre parti que notre parti ne va pas dévier du sein. Parce que lui-même est un... Retenez ceci. Notre parti ne va pas dévier de sa ligne. Notre parti là ne va pas dévier de sa ligne. À nous aller. Des rigueurs au niveau de la pensée et au niveau de l'adéquation entre la pensée, c'est-à-dire ce que tu penses et que tu exprimes comme opinion, et la pratique, c'est-à-dire ce que tu fais concrètement. Et ceux qui ont eu l'occasion d'assister à nos réunions ont vu comment à chaque fois que l'un d'entre nous a trébuché, mais même a rappelé à d'autres pour ramener à chaque fois
n'est-ce pas, à l'adéquation entre la pensée, entre les objectifs que nous nous sommes fixés au niveau du parti, entre l'idéologie socialiste que nous avons affichée et que nous défendons et notre pratique. Retenez ceci, elle dit, si l'un d'entre nous a trébuché, il y a un régulateur qui est là. C'est lui-là. C'est comme la soupape de sécurité. Voilà. C'est comme, voilà. Quand des choses ne vont pas bien, lui, il vient pour équilibrer les choses. Donc, quand quelqu'un dévie, là, l'instrument pour réguler la chose est là. À nous aller seulement. Les gens n'ont rien compris. Le membre du Front populaire ivoirien, il est là, il est comme le gardien. Et nous tous, nous attendons qu'il soit le gardien. Et le jour où il cessera d'être le gardien, ce sera grave pour notre Front populaire ivoirien. Et il le sait. Et quand même, côté est là, nous tous, on est des petits. Y compris votre secrétaire général. C'est donc un des nœuds à chaque fois que vous entendrez que le professeur Mbembel prononce une conférence quelque part, si vous avez le temps, il faut y aller, les yeux fermés. Il faut y aller, les yeux fermés. C'est un puits de savoir. Et il faut en profiter, il faut le traire au maximum. Il faut tirer de lui le maximum. Tant qu'il sera avec nous, il sera toujours avec nous. Mais tant qu'on l'aura dans nos parages, il faut en profiter. Ça, je vous le dis, pour que tout à l'heure, vous puissiez lui poser le maximum de questions sans vous gêner, sans vous laisser intimider par son ton, parce qu'il a un ton qui est très intimidant. Et vraiment, vous laisser intimider par son ton, il faudra lui poser des questions très simplement et je suis sûr qu'il vous donnera satisfaction. Professeur Mehmet, merci beaucoup. Camarade. Ok, Simon a fini de parler. Je vais laisser la parole à Mehmel. Il va dire une phrase. Voilà, moi, il y a un mot qui m'intéresse dans ce qu'il va dire. Lorsqu'il va prononcer le mot, là, on va commencer. Pour exprimer la joie que j'ai d'être à Bobo, à Bukachi. Bonheur que vous me faites de prendre la parole cet après-midi. Je vous remercie de trop me flatter. Mais l'admiration que les autres peuvent avoir pour vous peut paraître une récompense, mais c'est surtout un défi. Parce que quand vous avez entendu, quand vous avez accepté cette reconnaissance, vous devez travailler à honorer pratiquement cette reconnaissance. Et c'est cela qui est plus difficile et c'est le défi que nous avons à relever individuellement et collectivement. On m'a posé beaucoup de questions, je ne peux pas répondre à toutes ces questions. Je voudrais examiner avec vous la question fondamentale, la plus difficile. Nous allons tenter d'explorer cette question. La refondation. Merci. La refondation. Ok. Je vous ai présenté ici deux vidéos. Et d'entrée de jeu, je vous ai dit que ceux qui aujourd'hui combattent la Côte d'Ivoire, ils veulent tout faire. Et ils feront tout. Tout ce qui est à leur pouvoir. Si nous, nous ne prenons pas garde. Si nous, nous ne faisons pas attention. Si nous, nous sommes dans le culte de la personne, nous allons passer à côté de ce qui est essentiel pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est essentiel pour un homme, pour une personne. Je ne suis pas en train de dire ce qui est essentiel pour Simone et Yves Gbagbo. Je ne suis pas en train de dire ce qui est essentiel pour le président Laurent Gbagbo.
Je ne suis pas en train de dire que ce qui est essentiel pour le ministre Charles Blé Goudé. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est essentiel pour le président Ouattara. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est essentiel pour Pierre-Paul Jacques. J'ai dit ce qui est essentiel pour la Côte d'Ivoire. Des gens, ceux qui veulent maintenir la Côte d'Ivoire sous l'eau, ils vont user de tout leur poids pour empêcher cette Côte d'Ivoire de sortir la tête de l'eau. Les amis, l'instrument du combat qui est craint par ceux qui veulent mettre la Côte d'Ivoire sous l'eau, c'est le FPI. Pourquoi le FPI? Parce que l'idéologie du FPI dérange. Parce que la vision du FPI dérange. Parce que le programme de société du FPI dérange. Parce que le système que le FPI veut mettre en place dérange. Donc il va falloir tout faire pour détruire le FPI. Alors, chers amis, chers frères, je vous ai montré deux vidéos. La vidéo de Simon-Yves Gbagbo, elle date de 1994. Donc, de 1994, cette dame-là, le discours qu'elle a toujours tenu, elle est toujours restée fidèle à ce discours-là. Elle est toujours restée fidèle à la vision du FPI. Elle est toujours restée fidèle à cette vision-là. Donc, les amis, mais de vous à moi, si cette vision voit le jour en Côte d'Ivoire, est-ce que ça va arranger ceux qui veulent avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire? C'est la question qu'il va falloir que nous, là, nous nous posions et avoir et donner des réponses. Si jamais cette vision, dont pas Simon-Yves Gbagbo, qui est la vision originelle, qui est la vision principale, qui est la vision, on va dire, le premier amour du FPI, si cette vision-là, le FPI, si cette vision, le FPI essaie, arrive toujours à mettre en place, en pratique cette vision, est-ce que ça arrange ceux qui veulent toujours dominer sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens? Donc, il va falloir prendre des personnes, parce que eux-mêmes là, ils ne sont jamais là pour se mouiller. Isabelle Franck, soit salué, Franquin, soit salué. Eux là, ils ne sont jamais là pour faire eux-mêmes le bon boulot. La seule fois que nous avons vu, ces personnes faire le sale boulot, c'est le jour où ils ont vu de manière claire, Fafa, s'ils ont laissé passer ça, c'était fini pour eux. C'est le jour où, à visage découvert, ils ont bombardé le palais présidentiel. Ils ont bombardé, tué des Ivoiriens. C'est ce seul jour-là que nous avons vu ces personnes-là combattre, en tout cas, de manière visible. Et ça, ce n'est pas caché des Ivoiriens. Mais ceux qui sont hypocrites, ceux qui ne veulent pas grandir, ceux qui n'aiment pas le bien de la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui vont toujours rester dans les raisonnements. La chose, elle est visible, elle est propre et elle est claire. Cette femme qui tient toujours, qui part toujours de la vision, cette femme qui est toujours restée dans cette logique de la vision du FPI, il va falloir tout faire. Je dis bien tout faire pour la déstabiliser. Il va falloir tout faire pour l'écarter. Il va falloir user de toutes les forces, de tous les poids. Il va falloir tout faire, en tout cas pour la rabaisser, mais d'une force pas possible. Il va falloir tout faire. C'est là, toi, tu es intéressant. C'est là, toi, tu dois intervenir. C'est là, toi, tu dois jouer un rôle, mais vraiment pas possible. Je l'ai dit ici, le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat pour Simon-Yves Gbagbo. Il va falloir que les gens le comprennent. Ce n'est pas un combat pour Simon-Yves Gbagbo. C'est parce que Simon-Yves Gbagbo, ce pourquoi les gens se sont levés, ce pourquoi à la CPI, le ministre Charles Blé Goudé a eu à dire, moi, je suis un pro-Gbagbo. Il n'est pas un pro-Gbagbo par rapport au président Laurent Gbagbo. Non, hein? Non, il est un pro-Gbagbo par rapport à la vision du FPI là, cette vision originelle, cette vision en tout cas essentielle pour la Côte d'Ivoire. Et raison pour laquelle beaucoup de personnes ont suivi, beaucoup de personnes sont derrière le FPI. C'est pour ça, les sympathisants FPI sont énormes. C'est pour cette vision-là. Les amis, ce qui est en train de se passer, il va falloir casser et tuer cette vision. Il va falloir tuer cette vision-là. Cette vision ne doit pas voir le jour. Cette vision ne doit pas exister.
C'est là maintenant, je vous ramène à la deuxième vidéo, à la première vidéo du jeune Sud-Africain. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Aujourd'hui, Winnie Mandela, elle est morte. Elle est morte. Winnie Mandela, elle est morte. Mais je touche du bois. Tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent tuer cette vision, tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui ont mis en place une cabale de diabolisation, mais c'est vous qui allez rester là-dedans. C'est vous qui allez rester là-dedans parce que les ancêtres ne vont jamais permettre que votre plan diabolique, votre plan mystique, votre plan de sorcier ait le dessus sur la Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez rester là-dedans. Alors les amis, ce jeune-là, ici, devant le monde entier, dans cette grande salle, il dit à ses enfants hypocrites, quand beaucoup sont hypocrites, ici ceux qui vont voir cette vidéo, beaucoup sont hypocrites. Ils voient la vérité, ils savent ce qui se passe, mais ils préfèrent fermer leur bouche, ils préfèrent ne rien dire, ils préfèrent se taire, parce que eux là, ils attendent toujours ce que les miettes, ils attendent toujours les miettes qui tombent de la table pour manger. Parce que s'ils s'affirment, s'ils font vraiment une rupture avec le désordre qui est en train de se passer, en tout cas, ils n'auront pas ces miettes-là. C'est ça qui importe, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, personne n'ose parler par rapport vis-à-vis de ce désordre qui est en face de nous, qui est devant nous. Le chaos qui arrive, le chaos qui s'annonce, personne n'ose parler. Mais les gens vont parler. Des voix vont se lever. Des enfants dignes, des vrais patriotes vont se lever pour dénoncer, pour crier haut et fort tout ce désordre qui est en train de se passer. Les amis, alors, qu'est-ce que ce jeune-là, il a dit à toutes ces personnes, mais n'est-ce pas vous, qui avez humilié, qui avez livré Winnie Mandela? N'est-ce pas vous? Vous êtes bien habillés, vous êtes sapés. Certaines personnes pleurent à chaudes larmes. Certaines personnes pleurent plus que nous. Mais pour autant, c'est ces mêmes personnes qui ont livré Winnie Mandela. C'est ces mêmes personnes qui ont fait des conférences de presse. C'est ces mêmes personnes qui ont fait des conférences de presse pour dire de manière visible, haut et fort, que celle-là, c'est une criminelle, c'est une meurtrière. On se dissocie de cette personne-là. C'est la même chose que vous faites à Simone et Yves Babo. En disant, en mettant de la bouche de vos cyberactivistes, en mettant de la bouche de ces enfants illégitimes, en mettant de la bouche de ces enfants qui sont cupides, en leur disant que Simone et Yves Babo, elle est la responsable de l'escadron de la mort. C'est la même chose que vous faites. Tout ça par rapport à quoi? Pour tuer la vision. Par rapport à quoi? Pour tuer cette vision, pour éteindre cette vision. Parce que ceux qui combattent la Côte d'Ivoire depuis des siècles et des siècles, ces personnes-là vous ont coopté. Ces personnes sont avec vous. Ces personnes-là vous contrôlent. Vous avez tellement l'amour de l'argent. Vous avez tellement l'amour de l'argent que vous oubliez ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire. Ce pourquoi vous avez crié, oh Babo, on soutient Babo. Babo est notre référent politique. Babo est notre leader. Babo est le leader, le référent politique par rapport à la vision. Et non pas par rapport à sa personne. C'est par rapport à la vision. Je dis, je vais répéter, pour aider certaines personnes, avant de répéter, voyez-vous, souvent il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Mais aujourd'hui, bah, vous allez être intelligent. C'est moi, Balouna Balou, qui le dis. Ce qui est en train de se passer dans cette histoire de la Côte d'Ivoire, je le dis et je le répète, il s'agit de la destinée de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la vie d'un peuple. Il s'agit de la vie des citoyens ivoiriens. Ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours. Quand beaucoup de personnes ont des enfants, je pense qu'ils pourront comprendre ce que je vais dire. Voici quelqu'un, vous avez des enfants, mais parmi vos enfants, là, il y a un enfant que vous aimez plus que les autres. Mais est-ce que ça veut dire que oui, les autres enfants là, vous ne les aimez pas? Je le dis et je répète. Vous avez des enfants. Mais parmi vos enfants là, il y a un enfant que vous aimez plus que les autres. Mais est-ce que ça veut dire que oui, vous n'aimez pas les autres enfants? Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres enfants. C'est comme certaines personnes. Ils ont papa, ils ont maman. Vous avez votre papa et votre maman. Mais entre les deux là,
Il y a forcément un que vous aimez plus que l'autre. Est-ce que ça veut dire que vous n'aimez pas l'autre? Non, ça ne veut pas le dire. Mais ici, ce qui se passe là, quand nous disons que moi, par rapport à la posture de Simon Yves Babou, par rapport à son combat, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle dégage, par rapport à la vision qu'elle en train de dire, moi, j'aime Simon par rapport au président Laurent Gbagbo. Est-ce que ça veut dire que je déteste le président Laurent Gbagbo? Non. Ça ne veut pas dire que je déteste le président Laurent Gbagbo. Ça ne veut pas dire que je déteste le président Laurent Gbagbo. Mais il y a des gens qui sont inconscients, qui ne sont pas intelligents. Quand tu dis, mais moi là, j'aime le président Laurent Gbagbo, pour eux, le fait de dire que tu aimes le président Laurent Gbagbo, automatiquement, tu es en train d'insulter Simon Yves Gbagbo. Automatiquement, tu es Simon Yves Gbagbo. C'est faux. C'est comme ceux qui préfèrent Simon Yves Gbagbo, ceux qui sont inconscients, qui ne sont pas intelligents, qui sont dans le cul de la personne, automatiquement, ils vont dire que oui, cette personne-là n'est pas le président Laurent Gbagbo. C'est pas vrai. C'est faux. C'est archi faux. Je dis et je le répète pour que ça entre dans les oreilles des personnes. Je dis, les gens ont organisé une conférence de presse. Ceux qui sont venus rendre gloire à Winnie Mandela, le jeune Malema dit, vous les voyez dans leur costume, ils sont bien habillés. Vous les voyez, ceux-là, ils sont que pleurer à chaudes larmes. Plus que, ils sont très pleureux plus que nous. Pourtant, c'est eux-là. C'est eux qui ont livré Winnie Mandela. C'est eux qui ont organisé une conférence et dire de manière claire au cours de cette conférence que cette Winnie Mandela que vous voyez là, c'est du criminel. Nous là, notre image ne doit pas être associée à cette dame-là. Vous l'avez rejetée. Et aujourd'hui, c'est vous qui pleurez. Aujourd'hui, c'est vous là qui pensez, qui voulez montrer au monde entier que vous aimez trop Winnie Mandela. C'est faux. C'est comme ça que je vous regarde dans les yeux. Vous, vos réseaux, je ne sais quoi. Vous, votre parti bizarre que vous avez créé. Et vous, votre cabale de diabolisation que vous avez mis en place. Vous avez mis dans la bouche de vos cyberactivistes. Dans la bouche des enfants indignes. Et c'est ces mêmes personnes, regardez-moi ces incongruités. Et ces mêmes personnes qui viennent demander pardon. Qui viennent demander pardon. C'est parce que vous avez vu qu'en face, il y a des jeunes, il y a des gens dignes, il y a des gens qui n'aiment pas l'injustice, qui ont répondu, qui étaient devant, qui ont dit, oh stop! Ce que vous faites, personne ne pourra accepter cela. Raison pour laquelle vous êtes venus la queue entre des jambes, entre vos jambes, comme des caniches, comme des chiens, on demande pardon à Simone et Yves. Mais Simone et Yves, c'est pas son nom, hein. Ah oui, elle s'appelle Simon Eve Babou. Donc ça montre que vous êtes de mauvaise foi. Ça montre que vous êtes de mauvaise personne. Mais ce que vous préparez, ce dans quoi vous êtes là, ça va se retourner contre vous. Parce que de manière spirituelle, quand tu lances un esprit, si l'esprit n'a pas accompli ce pourquoi tu l'as lancé, mais cet esprit-là va retourner vers toi. Et c'est à toi d'assumer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je le dis de manière claire, ce que tu as mis dans la bouche de leur cyberactiviste, de dire haut et fort que Simone Yves Gbagbo, elle a acheté des armes. Oh là là, elle a acheté des armes. Elle est la chef, la patronne de l'escadron de la mort. C'est elle là. Donc ce que vous, les gens ont fait à Winnie Mandela, c'est ce que vous voulez faire à Simone. Mais Simone là, elle ne va pas mourir. Simone là, elle ne va pas mourir. Et elle ne mourra pas. C'est vous là qui allez mourir. C'est vous là qui allez mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce que vous faites dans l'ombre, ce que vous faites dans votre cabale, et oui, parce que ici, le jeune Malema le dit, vous avez mis en place une cabale. Mais je reviens aux femmes, parce qu'il a parlé des femmes. Attention, il a parlé ici des femmes. Donc, votre cabale, votre groupe, votre secte que vous avez créé pour diaboliser. Faut bloquer les têtes de mort là. Faut les bloquer automatiquement parce que ces imbéciles là, moi j'ai pas besoin de vous ici. Voilà, je n'ai pas besoin de vous ici. Vous pouvez aller sur vos pages de diabolisation, de dénigrement. Ici là, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ici là, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle je prie Dieu, je prie les ancêtres, que des jeunes patriotes,
des jeunes qui aiment la Côte d'Ivoire soient debout, soyez levés, soyez debout pour la Côte d'Ivoire de demain. Et non pas la Côte d'Ivoire pour une personne, pour un être humain, pour un homme, mais pour la Côte d'Ivoire de demain. Je dis et je répète, les réseaux de diabolisation, vous les connaissez, hein? Leur réseau de communication qu'ils ont créé, leur parti politique de surface, pour eux, on ne les voit pas, qu'ils ont créé. Et ce parti-là, c'est ce qu'ils veulent mettre devant pour chasser Simone. Mais ça encore là, on voit là-dedans. J'ai dit, ça là encore là, on voit là-dedans. Ce parti que vous avez créé pour vouloir écarter Simone là, ça là aussi, on voit là-dedans. Et nous sommes prêts. Nous sommes nombreux, nous sommes prêts à dire haut et fort que vous êtes dans une marmaille qui ne dit pas son nom. J'ai dit le jeune là, il dit à ceux qui sont bien habillés, qui pleurent à chaudes larmes, qui des hypocrites, des loups en habit d'agneau, toutes ces personnes qui ont exposé, qui ont ridiculisé, qui ont traité cette femme de tous les noms, les voici ici aujourd'hui qui sont en train de pleurer. Il leur dit, vous êtes des hypocrites. Il leur dit, c'est vous là qui avez dit que l'image de cette dame là ne devait pas être associée à vous. Vous l'avez désavouée, vous l'avez rejetée publiquement. C'est ce que vous êtes en train de faire à Simone Yves Bagou. C'est ce que vous êtes en train de faire à Simone Yves Bagou. C'est ce que vous êtes en train de faire à Simone Yves Bagou. Et quand nous parlons de ça, les gens osent nous appeler. Oui, il faut quitter dans ça. Mais je quitte dans quoi, au fait? Moi, je veux comprendre. Je quitte dans quoi? Parce que une dame, une icône, une femme qui se bat pour moi, mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir des enfants de mes enfants, il va falloir que moi, je me taise, que des inconscients, que des gens de mauvaise vie, des gens de mauvaise foi viennent insulter, exposer, dire du n'importe quoi de cette dame. Moi, Balou, je dois m'éteindre. Non, vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Je pense que vous avez frappé à la mauvaise porte. Balou, qui est en train de vous parler, c'est à lui que vous allez venir dire que ce qui est en train de se passer là, tu ne maîtrises pas les contours. Je préfère ne pas maîtriser les contours. Mais ce que je maîtrise là, le peu que je connais là, je préfère m'arrêter si je peux là pour apporter moi mon analyse, mes jugements. Ça me suffit. Ça, c'est à mon niveau. Mais maintenant, si je grandis, si j'acquiers la connaissance de ce que vous savez là, je vais avoir aussi mon opinion, je vais avoir aussi, en tout cas, mes choses à dire. Mais pour l'instant là, là où je suis, au niveau où je suis là, je m'arrête juste à ce niveau, à ce petit niveau, pour apporter, moi, mon jugement. C'est de ça qu'il s'agit. Je reviens. Le jeune Sud-Africain, il dit, mais vous les femmes, dans leur organisation, c'était les femmes NEC. Voilà, l'association des femmes NEC. Il dit, vous les femmes, vous êtes ravissantes. Vous êtes belles. Vous avez, en tout cas, vous avez tout sorti. Vous êtes contentes. Vous êtes en train de pleurer. Mais les femmes, vous les femmes, quand cette dame était rejetée, cette femme a été traitée comme une je ne sais quoi. Mais vous les femmes, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Quel a été votre soutien vis-à-vis de Winnie Mandela? Quel a été votre soutien à Winnie Mandela? Dieu ne dort pas, hein? Dieu ne dort pas. Il a dit, au FPI, là, il n'y a pas une organisation de femmes? Je vous pose la question, pardonnez, répondez-moi. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez mettre le nom de cette organisation de femmes, là? Les amis, je dis, au FPI, est-ce qu'il n'y a pas une organisation de femmes? Je vous demande pardon. Répondez-moi et puis mettez le nom de cette organisation. Mes amis, le jeune là, Malema dit, je prie Dieu qu'en Côte d'Ivoire, il y ait des jeunes comme ce jeune là, Julio Malema. J'ai dit, je prie Dieu qu'il y ait des jeunes comme ce jeune là. Merci, la Zambrotte, Simone D,
On est ensemble. Voici une combattante. Voici une digne femme. Zambrante. Qui a initié un mouvement. Un mouvement qu'on appelle Simone D. Et oui, tous ceux qui aiment la justice. Tous ceux qui aiment la vision. Tous ceux qui aiment Simone Hervé Gbagbo. Joignez-vous à ce mouvement-là. Joignez-vous à elle. Allez-y dans son inbox. Adressez-vous à elle. Comment faire pour rejoindre le mouvement? Comment faire pour pousser Simone Hervé Gbagbo? Comment faire pour valoriser cette dame-là? Comment faire? La Zambrante, allez-y sur son inbox, dans son inbox, sur sa page. Contactez-la. Contactez-la. Il a dit. Et puis ceux qui sont tapis dans l'ombre. Ceux qui sont tapis dans l'ombre. Ceux qui pensent qu'ils sont intelligents. Ceux qui pensent que eux-là, c'est les génies de la politique. Ces personnes-là, ils vont venir s'arrêter ici pour dire que oui, Simone Hervé Gbagbo, elle est en train de créer un parti politique. Mais arrêtez de prendre votre rêve pour des réalités. Elle ne va jamais créer un parti politique. Parce que, je le dis et je répète mes mots. Simone Hervé Gbagbo, le FPI, là, c'est son bébé. Le FPI, là, c'est son bébé. Elle va entretenir son bébé jusqu'à ce que elle quitte la terre de ses ancêtres. Donc vous rêvez, vous pensez que vous allez la pousser à bout, mais le soutien qu'elle a là, vous n'imaginez pas. Les entités qui sont derrière elle là, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Parce qu'on ne peut pas rabaisser une femme comme Simone Hervé Gbagbo de la sorte. Et puis les gens s'assèchent sur les plateaux télé. Oui, elle est l'aile dure du FPI. Oui, elle est l'aide du FPI. C'est parce que le patron mis ces mots-là dans leur bouche, il vient sur le plateau de télé pour prononcer ça, pour dire que oui, elle là, elle est trop dure. Il faut... là où nous sommes arrêtés, là, nous sommes arrivés. On a besoin des titans. Ceux qui veulent, ceux qui vont de manière radicale se séparer de ce système qui, depuis des années, font que nos enfants, nos jeunes, n'arrivent pas à être indépendants. Il y a des gens qui ont 30 ans, qui sont encore dans la cour familiale. Mais ça là, ça fait honte. Ils ont 30 ans, ils sont encore dans la cour familiale. Ils ont 30 ans, ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils ont 30 ans, eux, avec leurs femmes, leurs enfants, ils sont encore dans la cour familiale. Pourtant, c'est des jeunes qui ont des diplômes. C'est des jeunes là qui peuvent avoir un emploi. Mais parce qu'il y a un système... On va y... doucement. Il a dit, leur fille, quand Simone Hervé Gbagbo est sortie de prison, combien de temps ces dames-là sont restées à côté de Simone Hervé Gbagbo? Il a dit, Simone Hervé Gbagbo est sortie de prison. Combien de temps ces personnes-là sont restées autour de Simone Hervé Gbagbo? Combien de temps elles sont restées autour? Même pas une année. Après la mort de Sangaré, tout a commencé. On dirait comme si c'était un tuyau qui est sous pression. Voilà. C'était un tuyau qui est sous pression. Et le tuyau a été bouché. Donc le tuyau est sous pression. Dès que on a débouché le tuyau, en même temps l'eau a giclé. Dès que la bouche Dramane Sangaré est mort. Dès qu'il est mort, on avait comme l'impression que les gens attendaient la mort d'Abou Dramane Sangaré. On avait comme l'impression, les gens voulaient que cette personne-là disparaisse pour commencer leur travail de dénigrement, de diabolisation. Les amis, que tu sois content ou que tu ne sois pas content ou ça là, c'est ton problème. Mais c'est le constat que nous, là, nous avons fait. Donc, l'OFPI, merci, l'OFPI, là, j'ai dit, quand Simone Hervé Gbagbo était rabaissé, était diabolisé, était ridiculisé. Quand les gens organisaient des choses à l'honneur du président Roman, même choses graves. Grave. Le président Roman Bagou, bon. Ça après la suite, là, ce qui s'est passé le 17, nous montre réellement, au fait, tout ce qui s'est passé là, la conclusion, c'est le 17. Donc, quand les gens se comportaient comme ils se sont comportés là, la conclusion, je disais. Mais, quand les gens se comportaient de cette mauvaise manière,
L'OFPI là a fait quoi? L'OFPI a fait quoi de manière concrète pour essayer, un temps soit peu, de défendre Simone Evey Gbagbo? Qu'est-ce qu'a fait l'OFPI? Tout simplement, cette femme, c'est parce qu'en réalité, ceux qui la combattent, on pense que c'est les petits, comment ça s'appelle? Ces petits tétards, ces petites choses-là, on pense que c'est eux. Non. Cette femme-là, elle a le regard fixé sur la vision. Et ça, là, si elle réussit à avoir un nombre inconsidérable, un nombre important derrière elle, en tout cas, ça ne va pas les arranger. Donc, il va falloir tout faire pour rabaisser. Il va falloir tout faire pour séparer Simone Evey Gbagbo de tout ce monde-là. Mais ils ont menti. Le jeune-là, il dit, vous les femmes, voici une dame qui est rabaissée. Vous faites quoi? Rien. C'est la même chose pour l'OFPI. Simone Evey Gbagbo, rabaissée, traitée de tous les noms, insultée, même son intimité et autres, tout ça là. Aucune femme n'a ouvert la bouche et parlé. Ce qu'ils disent, ils disent que oui, cette histoire-là, c'est une histoire de couple. Donc nous, là, on nous a dit de ne rien dire. Voyez-vous? Et quand vous êtes en face des enfants, quand vous êtes en face des gens qui ne sont pas intelligents, quand vous êtes en face des gens qui sont nuls, qui ne savent pas raisonner, donc nous, là, on va accepter ça. Oui, merci, amen. Mais c'est parce que, au fait, vous tous là, vous êtes dans le même cercle, dans le même camp, dans cette même cabale qui a été utilisée pour rabaisser, pour rejeter Winnie Mandela, c'est la même chose que vous êtes en train de mettre en place, mais ça ne va pas prendre. Ça ne va pas prendre aujourd'hui, demain, ni après-demain. Est-ce que vous comprenez? Ça ne va jamais, jamais, jamais prendre. Les amis, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut jamais, il dit bien, jamais, au grand jamais, avoir peur de dire haut et fort que moi, là, je suis et j'ai le regard fixé sur la vision. Je le dis et je répète le même mot. Le président Laurent Gbagbo que nous connaissons, le président Laurent Gbagbo, ouvrons bien les yeux. Ne soyons jamais surpris. Et ne soyons pas, surtout, je tiens à vous dire, ne soyons pas découragés du président Laurent Gbagbo. Jamais. Parce que ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se jouer, c'est plus fort que beaucoup de personnes. Il faut vraiment avoir la tête froide. Même si, je le dis, tout ça c'est pour vous mettre en garde. Je l'ai dit ici. Je dis, vous allez voir des images. Vous allez voir des scènes. Et ces scènes-là ne doivent pas vous perturber. On voit que oui, on a vu une image où il y a une dame avec un monsieur. Je préfère ne pas dire le nom de quelqu'un. Voilà. Il y a une dame qui est avec un monsieur, il est à Daoukro, où on a vu une scène bizarre. Les gens sont choqués. Les amis, soyez jamais choqués par tout ce que vous allez voir. Tout ce que vous allez voir. Je le dis et je répète, même si le président Laurent Gbagbo, il fait un discours. Son discours qu'il dit va faire, là, même s'il le fait, quel que soit ce qu'il va dire dans le discours, si vous, hein, vous avez reconnu ou vous n'avez pas reconnu le président Laurent Gbagbo dans ce discours, souvenez-vous d'une seule chose. Ceux qui veulent tuer la vision, ils ne vont jamais laisser tomber quoi que ce soit. Ils sont prêts à tout. Ayez le regard fixé sur la vision. Quelle est la personne? Quel est celui-là qui incarne aujourd'hui cette vision? C'est la seule chose que vous devez vous dire. C'est la seule chose que vous devez garder en tête. Quelle est la personne? Quelle est la personne aujourd'hui qui est dans cette vision? Quelle est la personne qui aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons supporté, nous avons accompagné, nous avons aimé le président Laurent Gbagbo? Quelle est la personne aujourd'hui qui est dans cette vision-là? C'est ça qui nous intéresse. Les histoires des hommes ne doivent jamais, jamais, au grand jamais t'intéresser. Je reviens sur maintenant la vidéo de Simone Evey Gbagbo.
Dans cette vidéo, le monsieur qui a pris la parole, il a parlé de la refondation. Mais en soi, la refondation, ce n'est pas une mauvaise chose. En soi, la refondation n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que vous comprenez? La refondation n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que il y avait des gens honnêtes? Est-ce qu'il y avait des gens dignes? Est-ce qu'il y avait des gens propres? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient en esprit cette vision-là? Est-ce qu'il y avait des gens qui pouvaient porter cette vision du FPI? Est-ce qu'il y avait des gens? Est-ce qu'il y avait des gens? Voici un certain Didi Yobo. Tu sais, est-ce que vous pouvez bloquer ce monsieur-là? Est-ce que vous pouvez le bloquer? Parce que moi, je n'ai pas... En fait, il y a des gens... Bon, je n'ai pas affaire à vous, en fait. Voilà, je n'ai pas affaire à vous. Si vous, vous voulez rester dans le culte de je ne sais quoi. Si vous, là, vous voulez rester, vous voulez toujours être des animaux, être que des... Comment ça s'appelle? Je ne sais quoi. Mais restez là-dedans. Moi, je n'ai pas besoin de vous ici. Allez-y là où on vous caresse dans le sens du poil. Allez-y là-bas. Donc, je disais, est-ce qu'il y avait des gens qui pouvaient porter cette vision-là? La refondation dont on parle ici, là, est-ce que les gens, est-ce qu'il y avait des gens capables? Est-ce qu'il y avait des gens dignes? Parce que ce qui a été montré, c'était autre chose. Ils nous ont tout montré, mais ce n'est pas la refondation que les gens nous ont montré. Ils nous ont montré comment on pouvait, comment on achetait des RAV 4 aux filles. C'est ce qu'ils nous ont montré. Ils nous ont montré comment on faisait pour que les copines, les petites amies devenaient des commissaires. C'est ce que les gens nous ont montré. Et le désordre en outrance. Le désordre en outrance. Est-ce que c'est dans ça là que les gens veulent toujours nous conduire? Il va falloir une personne pour réguler les choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de soupape de sécurité. Non, en fait, ce n'est pas la soupape de sécurité. C'est les vases d'expansion. Voilà, c'est les vases d'expansion. Parce que quand nous sommes dans un réseau d'eau, dans un réseau, si le débit est bas, c'est le soupape, c'est la vase d'expansion, c'est elle là qui régule les choses. Voilà, donc le professeur, c'est lui qui régulait les choses au FPI. Donc je disais, cette refondation en soi, c'était pas une mauvaise chose, c'était une très bonne chose. Mais ceux qui devaient incarner, ceux qui devaient faire le travail, ceux qui devaient faire le bala, comme on le dit chez nous, est-ce que ces personnes-là, c'était des gens dignes? Est-ce que ces personnes-là étaient dans cette philosophie, dans cette vision-là? Est-ce qu'ils étaient là-dedans? Le résultat, là, vous connaissez le résultat. Voilà, le résultat, vous connaissez le résultat. Donc, chers frères, sœurs, tu as fait un choix. Si tu as fait un choix, ne sois pas, ne te cache pas. Parce que ce qui est en train de te jouer, là, ce n'est pas une histoire de personne. C'est une histoire de la Côte d'Ivoire. C'est une histoire de ton avenir. De l'avenir de tes enfants. C'est l'avenir des enfants de tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les gens feront tout pour vouloir détruire le FPI. Les gens feront tout pour enterrer cette vision-là. Ne donnons pas l'occasion à ces sorciers. Ne donnons pas l'occasion à ces kabbalistes. Ne donnons pas l'occasion à ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent diviser, qui veulent écarter, qui veulent ôter même la vie à la première dame Simone Yves Babo. Ne leur donne jamais l'occasion pour qu'ils viennent pleurer, pour qu'ils viennent jouer aux hypocrites, pour qu'ils viennent en tout cas jouer cette scène-là. Sur ce, passez une très bonne soirée. Et je prie au gouvernement de notre pays, je vais terminer par là, que le ministre Charles Boudé, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. La constitution de la Côte d'Ivoire là, interdit qu'un enfant de la Côte d'Ivoire soit en exil dans son pays. Vous-même, vous avez eu à dire. Vous avez dit aussi le ministre Charles Boudé, le président Laurent Gbagbo, finissait avec cette histoire de la justice internationale, il pouvait rentrer chez eux. Mais, pour rentrer chez soi, si tu es à l'extérieur,
à l'étranger pour rentrer dans ton pays, il te faut un passeport. Donc aujourd'hui, le ministre Abdel Goudé a besoin d'un passeport pour rentrer chez lui. Le dire ici, là, les gens vont dire que oui, nous sommes des traîtres. Parce que c'est le seul mot qu'ils connaissent. C'est ce qu'ils savent faire. Eux, là, c'est eux qui savent dénicher des traîtres. Quand Simon-Olivier Gbagbo dit merci, c'est un traître. Mais aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, on apprend que le président Laurent Gbagbo voulait voir des prisonniers politiques. Et le gouvernement Ouattara a refusé. Le même président Laurent Gbagbo a demandé à ses collaborateurs d'aller négocier avec le pouvoir Ouattara. Est-ce que ça fait du président Laurent Gbagbo un traître? À un moment donné, il faut être intelligent. Arrêtez de vouloir faire et dire n'importe quoi. Arrêtez de ce comportement-là qui ne nous honore pas. Arrêtez ce comportement-là. Arrêtez ça. La Côte d'Ivoire a besoin d'autre chose. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de se ridiculiser comme ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin que ses enfants se comportent de cette manière-là. Arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça. Donc aujourd'hui, nous demandons à ce pouvoir, au gouvernement de M. Ouattara, de tout faire pour que le président, le ministre Charles Blé Goudé ait son passeport. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant d'un pays soit encore à l'étranger après des années passées en prison. Aujourd'hui, il est acquitté. Toutes les charges qui pesaient sur sa tête, ils ont dit, la justice internationale dit que ce jeune homme-là est acquitté. Mais ça encore, ceux qui sont tapis dans l'ombre, ceux qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire émerger, ceux qui veulent toujours avoir le monopole sur, en tout cas, sur toute la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent toujours avoir, en tout cas, le pouvoir. Pourquoi on chante toujours leur nom? Oui, lui là, c'est un babaquin. Lui là, c'est un vrai type. Lui là, c'est un garçon. Lui là, c'est un bon homme. Lui là, il donne des sacs de riz aux gens, tout ça. Les gens n'ont plus besoin de ça. Les gens n'ont plus besoin de ça. On dit le ministre Abdel Goudé là, vous qui êtes tapis dans l'ombre. Vous qui ne voulez pas que le ministre Abdel Goudé ait son passeport parce que vous savez, la compétition politique là, vous ne pouvez pas la faire. Vous êtes obligé de faire des coups bas. Vous êtes obligé d'être dans du faux. Et ce faux-là, vous allez rester là-dedans jusqu'à et un matin, le ministre Abdel Goudé sera en Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et ça, là, vous n'allez jamais, je dis bien au grand jamais, arrêter ce que Dieu a mis sur la vie de quelqu'un. Aucun être humain ne peut stopper, ne peut arrêter ce que Dieu a décrété sur la vie de quelqu'un. Donc vous vous fatiguez. Vous fatiguez. Ici, là, on a entendu des audios où vous avez dit, comme le ministre Abdel Goudé, il est en prison, le juge va sortir de prison, là. Ça va être une guerre de communication. On est là, hein. On est encore là-dedans. Les amis, tu aimes la Côte d'Ivoire, il faut repousser, renoncer, rejeter l'injustice. Et l'injustice, là, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a tout simplement à M. Ouattara de faire des efforts pour que vraiment la réconciliation soit en Côte d'Ivoire. Demain, là, on dit, en Côte d'Ivoire, là, nos parents, ils n'arrivent pas à manger. On dit, en Côte d'Ivoire, là, les prix, là, ont augmenté. Mais, la seule question que j'ai à poser, les députés, là, qui se nourrissent de l'argent du contribuable, là, quel est le travail qu'ils font de manière concrète? Les amis, sur ce, on est ensemble, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que nos ancêtres bénissent la Côte d'Ivoire. Moi, Bonouna Balou, mon choix là, c'est Simon Évier Gbagbo. Ça, c'est clair et net. Voilà. Je ne choisis pas Simon Évier Gbagbo parce que c'est Simon. Je choisis Simon Évier Gbagbo par rapport à sa vision. À la vision du FPI. Parce qu'aujourd'hui, là, pour l'instant, moi, je considère que le président Laurent Gbagbo, il est otage encore du système. Je considère que le président Laurent Gbagbo, il est encore otage de ce système-là. Parce que moi, le président Laurent Gbagbo que je connais, là, ce n'est pas lui que je vois là. Voilà. Donc, sur ce, on en sent mon choix. C'est Simon Évier Gbagbo. Voilà. Donc, la madre, c'est ton fils qui est là. Voilà. Un jeune patriote qui aime la Côte d'Ivoire. Donc, on a besoin des jeunes patriotes, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent la Côte d'Ivoire de demain. Ce n'est pas des jeunes mangeurs. Nous, on n'a pas besoin de manger. On n'a pas besoin de manger. Voilà. On se démerde.
On quête pour se nourrir. On n'a pas besoin d'argent de quelqu'un. Donc voilà, ceux qui veulent l'argent là, en tout cas c'est vous qui voyez. Sinon nous là, moi, Banana Balou, pas besoin d'argent de quelqu'un. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Parce que si demain, la Côte d'Ivoire est en tout cas entre les mains de des vrais patriotes, je pense que le pays sera développé et la jeunesse pourra vivre de manière paisible dans ce pays-là. Sur ce, on est ensemble, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais mettre une chanson, parce qu'on n'a pas mis de chanson. Les amis, on va mettre une chanson. Hein? Une bonne chanson de nos artistes fétiches. Hein? Voilà. On va mettre une bonne chanson et puis on va avoir un truc. À Tito, voilà. À Tito, voilà. Non, pas à Tito, pas tant. Je dis à Tito de Yodé. À Tito. Voilà. Donc, on est ensemble. C'était Gbalou na Gbalou depuis sa position. Ah, non, écoute ça, à Tito. Savourez un moment magique avec les nouvelles glaces. Oh, c'est qui ça? Ah, écoutez à Tito. On danse pas un peu? On danse pas un peu? Il va falloir créer une danse à Simon Yves Babou. Je salue tout le monde. Isabelle soit saluée, Nadège. Gablo soit salué. Le Pelli, Chantal soit salué. Soyez tous salués, les amis, soyez tous salués. C'est Dieu qui est fort. Soyez tous salués. Ok, ciao, ciao. Isabelle, en tout cas, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te bénisse. Donc, je disais, un mouvement, en tout cas, un mouvement est lancé. On appelle ça Simone D. Simone D, c'est un mouvement qui est lancé pour le 8 août. Et le 8 août, là, symbolise quelque chose de très spécial dans la vie de Simone Yves Babou. Parce que quand l'être humain est créé, l'être humain est créé pour être libre, pour vivre en toute liberté dans le monde, dans son environnement. Et ce 8 août-là a symbolisé quelque chose. Le 8 août a été une date où Simone Yves Babou est sorti de prison. Le 8 août, Simone Yves Babou n'était pas à la plage, n'était pas en train de dans une séance de bronzage. Elle était en prison, malmenée, maltraitée, rabaissée, ridiculisée. Et ce 8 août, Dieu a décidé que Simone Yves Babou sorte de prison. Donc la Zambrotte, elle a réfléchi, elle a dit, mais si on faisait de ce 8 août un événement historique, donc tous ceux qui sont d'accord, qui sont d'avis avec cette idée, contactez la Zambrotte. Contactez-la là pour, en tout cas, pour mettre en place, pour vraiment supporter cette idée-là. Pour porter cette idée, pour valoriser cette dame-là. Donc, sur ce, merci à vous. Torres, sois salué. Mon grand-do, Oreziza, on est ensemble. Soyez tous salués. C'était Balou Nagualou depuis sa position. Moi, Balou, ce qui m'intéresse et ce qui va toujours m'intéresser, c'est la Côte d'Ivoire de demain. Pour la Côte d'Ivoire de demain, je suis prêt. Voilà, je suis prêt pour la Côte d'Ivoire de demain. Sinon, les autres-là ne m'intéressent pas. Voilà, l'homme ne m'intéresse pas. C'est la Côte d'Ivoire de demain qui m'intéresse. Donc, c'est lui qui mène le combat pour la Côte d'Ivoire de demain. Je serai, en tout cas, lui seulement, je serai son mouton. Parce que c'est pour la Côte d'Ivoire. Je serai le mouton pour la Côte d'Ivoire de demain. Voilà. Pour le mouton pour la Côte d'Ivoire de demain. Pas le mouton pour un leader politique. Mais le mouton pour la Côte d'Ivoire de demain. Voilà. Ça veut dire que je suis un vrai patriote. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin de vrais patriotes. Demain, là, on parlera des prix qui ont flambé. Voilà, donc on est ensemble. Mon vieux père, Oreziza, je t'appelle. Voilà, je t'appelle parce que j'ai besoin de quelques conseils. On est ensemble, ciao, ciao.